Je suis Tapo Amadou, coordinateur de Voice for Thought Academy, VKT, antenne de Sibiu. Mon sentiment par rapport à cette école itinérante couplée de Monipebougou et de Bougouverre délocalisée à Kolongo, d'abord c'est que cela, on aurait aimé qu'on puisse être dans ces deux communes respectives pour que les jeunes puissent vraiment aller découvrir ces deux communes en question. La situation ne nous permet pas. Mais néanmoins, cela ne nous a pas empêché de pouvoir réaliser les activités. Mais aussi, cela a permis aussi à ces jeunes de ces différentes communes de se retrouver à Kolongo ici. Pour beaucoup même, surtout ceux de Monipebougou, beaucoup même l'ont affirmé dans la salle que c'est leur première fois à Kolongo. Donc cela a permis aussi de créer un lien entre les deux jeunes de ces différentes communes, aussi entre eux et ceux de Kolongo. Parce que l'objectif aussi de VKT, c'est ça, c'est de créer vraiment un réseau de jeunes dynamiques qui vont évoluer ensemble dans la paix et la cohésion, mais aussi tous ceux qui contribuent vraiment à leur développement personnel, mais aussi à créer un réseau de jeunes dynamiques. Togo Malado Kamara, ni Bobugurila, ni assistante Slamna. Avant que nous ayons une formation, nous avons une famille qui a été Slam Konna na Kosovo. Nous avons une formation, nous avons une famille qui a été Kosovo Slamka. Nous avons Slam na Kosovo, a Fotogo, ani a Jessica Togo, ani Slam Yereke Togo. Nous avons une famille qui a été Mes impressions sur le développement des écoles itinérantes délocalisées à Kolongo sont vraiment excellentes. Dans ce sens que les jeunes que vous voyez derrière moi, c'est des jeunes qui ont vraiment énormément de talent. On a trouvé que vraiment ces jeunes de ces localités, la plupart sont des diplômés et aussi ils ont eu à faire aussi des expériences. Mais pour certains aussi, c'est leur première fois. Donc c'est un mélange vraiment intéressant et aussi les formateurs et les coachs aussi ont su adapter le contenu des différentes formations à leur niveau. Donc il y a vraiment l'ambiance, la bonne ambiance et on sent que quelque chose de grand va ressortir de tout cela. C'est le fait que en Bogara Kau, en Monipeka, en Bogara là, quand on a Kulungo et en Monipeka, quand on a Sigia, on a fait un fin, il va faire bien, on a killé, on a fait un sababu et on a fait un Sigdala. On a fait des gouttes, on a fait un Sigdala, 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 on a fait un Sigdala,